Tous on va se retrouver devant Dieu et on verra qui est qui. Ce n'est pas un défi que je te lance, mais je dis, on verra qui est mauvais, qui est bon. Parce que devant les êtres humains, vous êtes champions. Vous jugez les gens en désordre, vous condamnez, vous insultez, vous faites tout ce que vous faites parce que vous êtes en faux profil. Mais il n'y a que Dieu qui va mettre chacun à sa place. Moi, je vous dis, je n'aime pas les histoires. Même dans ma famille, on me connaît. Que même quand je n'ai pas tort, ils demandent pardon. Parce que j'aime la joie de vivre. Il dit que j'écoulais les pleurs. Tu m'as vu pleurer là-bas. Quand j'avais envie de pleurer, je partais à côté. Je sèche mes larmes avant de venir. Tu as vu mes larmes là-bas. Et c'est pour ça. C'est pour ça que je disais que je ne veux pas. C'est pour ça que j'ai mis mes lunettes noires. Parce que vous aimez ça. Quand quelqu'un va pleurer, vous allez commencer à couper la partie. Partie, commencer à l'insulter avec. Ce n'est même pas de ça que j'ai peur. Parce que vous avez à tout dit. Ça n'a rien changé sur moi. L'important, c'est que c'est Dieu qui va nous juger. Donc, je disais tantôt que beaucoup sont décédés par manque de pardon. Beaucoup sont cloués sur les lits des hôpitaux par manque de pardon. L'orgueil tue. L'orgueil tue. Si Bob Lee avait eu l'humilité, Jackie Chen, toi-même là, je dois te mettre en pause. L'orgueil tue. S'il y a une chose qui détruit dans la vie, c'est l'orgueil. Moi, je ne sais pas être orgueilleuse. Quand je sens que j'ai blessé quelqu'un, je fais tout pour réparer ça. Je peux peut-être dire que oui, oh, on se parle, on se clash. Mais après qu'elle constate que tu es vraiment touchée, je serai toujours la première à te demander pardon. Mais ça ne veut pas dire que je suis faible, non. Ça ne veut pas dire que je ne peux rien dire, non. Ça ne veut pas dire que je n'ai rien à dire, non. Parce que j'ai une conscience qui me juge beaucoup. Et j'ai la crainte de Dieu. Il y a beaucoup de mes gens là. Il y a beaucoup de mes gens là que quand je faisais la guerre avec la TKC, les Abelas, ils me soutenaient avant. Pas soutenir avec l'argent. Hein, parce que tout pour vous, c'est l'argent. C'est-à-dire même moralement, la lune, comment tu vas? Tu te réveilles le matin. La lune, j'espère que tu vas bien. Comment va ta fille? Nanani, nanana. Même quand je lançais mes directs, ils partagent même mes pardons. Mais ils ont été déçus. Pourquoi? Parce que je n'ai pas fait. Tu demandes pardon. C'est ça. N'a pas donné. C'est depuis quand que je ne parle plus de celui-là. Donc vraiment, il faut arrêter la manipulation. Si vous voulez chercher les trucs pour que les gens me détestent, moi je ne vous empêche pas. Allez-y. Je vous ai dit que le rendez-vous, c'est devant Dieu. Vous êtes en faux profil. Vous montez les gens. Vous inventez les choses sur les gens. Le rendez-vous, c'est devant Dieu. C'est lui qui va dire qui va aller au paradis, qui va aller en enfer. C'est qu'est-ce que c'est ça? Ça ne chauffe pas. C'est pour ça que j'ai dit que chacun doit apprendre à demander pardon quand il a tort. Même si tu n'as pas tort, il y a les pardons que tu te libères. Il y a les pardons que tu te libères. Parce que parfois, tu as les problèmes avec X.
Mets la balle sur la paillasse. Tu as la crainte des yeux et tu viens insulter une femme comme tu as insulté. Vraiment, c'est pas possible. Massa. Massa, ça a cuit sur toi là-bas. De l'autre côté. Mais en tout cas, beaucoup de courage, Massa. De l'autre côté, c'est où? Tant que tu as aussi invité les choses, tu es invité, maman. Je ne comprends pas ton message, donc je supprime. Tu as insulté les injures qu'on n'insulte pas. Tu as mon homo, mais tu es chier quelqu'un. Pardon. Moi, je veux les messages positifs. Si quelqu'un fait un message négatif à plusieurs reprises, je vais bloquer la personne. Tu as insulté comme un devenir qu'on ne fait pas. Reste tranquille, ami. Vous voulez qu'on revienne toujours. On parle, ça c'est dimanche. Parlez les choses qui vont aider les gens. Je suis en train de parler du pardon. Laissez les histoires de « Oh, tu as fait ceci. » J'ai parlé de ça hier. Aujourd'hui là, parlez ce qui peut aider. Pourquoi tu retournes la veste à la lune? On veut comprendre pour accepter ton pardon. Je ne t'ai pas demandé pardon, Julie. J'ai demandé pardon aux gens que j'ai offensés. Donc, c'est à ces gens qui peuvent me demander pourquoi j'ai demandé pardon. Et j'ai expliqué pourquoi j'ai demandé pardon. Tu veux que je t'explique quoi? Que j'invente un mensonge? Ou bien que je confirme le mensonge que partout vous parlez? Vous voulez même croire juste, mes gens? J'étais en train de dire que... J'étais en train de dire que beaucoup de gens meurent. Par manque de pardon. Goné et compagnie. Une akandem aka. Tu les gères. J'ai demandé pardon. Oh, ah. Si quelqu'un veut se déshabiller, ce n'est pas eux qui dorment avec moi. Je ne peux pas sacrifier ma génération pour faire plaisir aux gens. La personne qui insulte ma sœur, je ferme ta bouche mystiquement. Peace, général Olomania. Tu menaces les gens de fermer leur bouche mystiquement. J'espère que tu iras au paradis avec ça. Moi, je ne sais pas à qui tu t'adresses, mais j'espère que quand tu vas fermer la bouche de la personne, tu iras au paradis avec ça. Et je te dis, tes menaces sont nulles et sans effet envers qui que ce soit. Tu es vaincu au nom de Jésus. Parce que ce n'est que Dieu qui sauve et qui guérit. Tu as compris? C'est Dieu qui sauve et qui guérit. Je ne sais pas pourquoi tu viens écrire ton message ici, mais depuis hier, vous vous agitez. Je ne vous prononce pas. J'ai prononcé ma foi et ma pépé, c'est tout. Le reste là, c'est le reste. Donc, je ne sais pas pourquoi tu t'agites là. Qui a prononcé ta star ici là? Qui a parlé d'elle? Tu t'agites pourquoi? De quelqu'un qui prononce et ferme sa bouche mystiquement. Tu connais mon derrière? Si tu es venu dans mon direct, ça veut dire que tu viens me menacer mystiquement. Tu viens me menacer mystiquement. Pis, général Olomania. Tu viens me menacer mystiquement. Parce que j'ai demandé pardon. Tu crois que tu es plus mystique que qui? Tu viens me menacer mystiquement. Vous allez vous dévoiler seul. Seul. Personne ne va vous parler. Vous allez vous dévoiler seul. Moi, je n'ai pas parlé. Mais Jean, vous êtes témoin, non? Vous êtes témoin. Je n'ai pas parlé d'eux. Mais ils vont se dévoiler seuls. Moi, je ne parle pas.
Je ne parle pas pour le moment. Parce que quand j'en aurai marre, parce que je vous vois, je vais exprimer mon ras-le-bol. Parce qu'à ce que je sache, je n'ai pas prononcé quelqu'un. Je n'ai pas prononcé le reste. J'ai parlé de deux personnes. Tu viens me menacer mystiquement, général Lolomania. Tu viens me menacer mystiquement dans mon live, général Lolomania. Je t'ai prononcé. J'ai prononcé ta patronne. Tu viens me menacer mystiquement. Dieu va vous livrer. Mais Jean, quand il vous dit que le pardon libère, les gens pouvaient passer derrière ma faux et ma pépé et me faire du mal. On devait croire que ce sont elles. Vous voyez les choses. Évitez souvent le pire dans vos vies. Faites la paix. Parce que quand vous faites la paix, vous voyez vos vrais ennemis. Quelqu'un vient dans mon live me menacer mystiquement. En parabole. Et c'est ça qui est à la mode. Mystiquement. Parce que j'ai fait un processus de paix que je demande pardon. C'est tout, hein. C'est tout. Je demande pardon, on vient me menacer mystiquement, en parabole. C'est tout. Ce n'est pas qu'en demandant pardon, j'ai clashé quelqu'un, non. Si j'avais même au moins clashé quelqu'un, on pouvait dire que toi, la lionne, si tu as avec ta longue bouche, si tu as encore clashé quelqu'un. Je n'ai pas moi, vous êtes témoin, allez encore revoir mon live. Je n'ai pas moi clashé quelqu'un. Quelqu'un vient dans mon live un dimanche matin. On est ici, on tord les commentaires. On tord les commentaires. Quelqu'un vient me menacer mystiquement. Qu'est-ce qu'on a dit de mauvais dans ce live? Pour que général Lolomania vienne menacer les gens mystiquement. Faites la capture d'écran de son commentaire. Qu'est-ce qu'on a parlé de mauvais dans ce live? En quoi ça lui concernait? Pour qu'elle vienne menacer les gens mystiquement? Moi, je veux comprendre. Chacun va se dévoiler seul. Moi, je vous ai dit que Dieu, je suis le chemin. Quand Dieu me parle dans la nuit, le matin, je fais ça. Le matin, je fais ça. Dieu sait pourquoi il me pousse à faire certaines choses. Il sait pourquoi il a dit que demande pardon à ces deux mamans. Vous allez vous-même voir le miracle dans Facebook. Je vous prends en témoin. Vous allez voir le miracle dans Facebook. On a parlé quoi? Depuis qu'on est là, on parle. Vous avez vu, j'ai prononcé le nom de quelqu'un ici. En dehors de Dukamé, en dehors de ceux que ça concerne, j'ai prononcé le nom du reste. J'ai dit que j'ai prononcé le nom du reste. On vient en plein direct devant les gens me menacer. Menacer les gens mystiquement. Mystiquement! En plein dimanche. En plein dimanche, général Lolomania vient menacer les gens mystiquement. Avec ton mystique, là, va aider ta patronne. Va aider ta patronne. Utilisez vos mystiques pour faire évoluer les gens avec. Utilisez vos mystiques pour faire évoluer les gens avec. Merci France, Nébia. Vous allez vous dévoiler seul. Je vous ai dit que quand Dieu me parle, je fais. Lui seul sait pourquoi il m'a dit, demande les excuses à ces deux femmes. Vous allez voir le miracle dans Facebook.
Vous allez voir le miracle dans Facebook. Général Lomagna, tu parles, tu ne connais pas ma Chukuzout. Là où tu dors, là où tu manges, tu ronfles, là, c'est là-bas qu'elle dort. Donc, quand je viens demander pardon, ce n'est pas parce qu'on m'a attaqué mystiquement que je fais ça. C'est parce que j'ai la crainte de Dieu. Détrompe-toi. Et tu arrêtes de menacer les gens mystiquement. Va protéger ta patronne avec. Va faire évoluer ta patronne avec. J'ai parlé de deux teams. Je n'ai pas parlé du reste. Tu viens à mon live dimanche matin. Me menacer mystiquement. Ils viennent me manipuler. Ils viennent me menacer mystiquement. Mystiquement, en plein live. Vous voyez le miracle. Vous voyez le miracle. Depuis hier, ils sont en train de m'insulter. Elles viennent à mon live. Elles me menacent mystiquement. Général Lomagna. Tu peux dire pourquoi tu viens menacer les gens en plein live mystiquement? Qui t'a prononcé? Même les abeilles qui... Les abeilles à la TKC qui sont là, ils ne faisaient que parler de moi. D'autres même m'insultent. Est-ce qu'on vous a prononcé? Qui vous a prononcé ici? Depuis là, les gens s'y parlaient de moi. Depuis là, tous les mauvais mots qu'ils lancent, d'autres me lancent les mauvais mots, d'autres lancent les bons mots. C'est sur moi qu'on lance. Qui vous a prononcé pour que tu viennes menacer les gens mystiquement, général Lomagna? Vous ne dépassez pas Dieu. Vous ne dépassez pas Dieu. J'aurai toujours de l'avance sur vous. Vous qui êtes dans le noir, vous trafiquez, vous tuez les gens en désordre. J'aurai toujours de l'avance pour vous. Parce que vous ne connaissez pas où je sors. Vous ne connaissez pas ma racine. Tu dis que tu vas fermer la bouche. Tu vas fermer comme tu allais fermer la bouche de qui? Mais oui, France n'est bien. Tu as fermé la bouche de qui? Tu peux fermer ma bouche. Le général Lomagna, tu crois que j'ai peur? Moi, j'ai peur. Ne me provoque pas. Ne me provoque pas. Depuis hier, vous me clashez. Moi, je ne sais pas pourquoi vous me clashez. Je ne vous ai pas prononcé. J'ai parlé à ma fouille, ma pépé. Je n'ai pas prononcé le reste. Tu viens un dimanche me menacer. Mystiquement. Chacun va sortir seul. Vous allez donc comprendre pourquoi j'ai demandé pardon. Je te jure, une akamdem. Si ta vie est en danger, mieux tu quittes. Fiche le camp. Donc ma vie est en danger parce qu'elle est venue me menacer mystiquement. Je dois quitter Facebook. Je dis bien, fiche le camp. Je ne quitte rien. Quelle life fait ce qu'elle va faire? Tu viens en plein live menacer les gens de mystique. Tout simplement parce qu'une jeune fille comme moi a posé une bonne action, c'est-à-dire demander pardon. C'est tout. C'est tout. Si on te demande pourquoi tu viens menacer les gens de mystique, tu vas dire que tu fais ça pourquoi?
Tu vas dire que tu fais ça pourquoi? Est-ce que moi? Ou bien est-ce que on n'avait même pas ton temps? On n'avait même pas le temps de ta patronne. Tu viens menacer les gens mystiquement. Quelqu'un, il y a une lolomania qui dit que c'est quelqu'un qui t'avait demandé d'insulter compresseur. Je n'ai jamais dit que quelqu'un m'a envoyé. Mes amours, quand vous êtes allés dans mon direct hier là, est-ce que moi j'ai accusé quelqu'un? J'ai moi accusé quelqu'un. J'ai pris tout sur moi, non? Oui, France, moi-même, je ne sais pas ce qui m'a poussé à le faire. Mais quand on voit les réactions des gens, on comprend beaucoup de choses. On comprend beaucoup de choses. On comprend beaucoup de choses. Vous voyez? On est ici là, on me chauffe, on me chauffe. On n'a même pas parlé de sa patronne. On n'a même pas fait illusion à sa patronne. Elle vient dire qu'elle va finir avec les gens mystiquement. Fermer les bouches mystiquement. Qu'elle va fermer les gens mystiquement. Quand on va dire que vous êtes ténébreux, vous allez dire que non, c'est le mensonge. Quand tu viens poser ce genre de commentaires, c'est pourquoi on t'appelle quoi? La lumière. Ça, c'est la ténébrerie. Ça, c'est les paroles des ténébreux. Tu viens poser un commentaire pour menacer de mort les gens, des trucs bizarres. Ça, c'est la ténébrerie. Tu ne peux rien faire à l'enfant de quelqu'un. L'enfant de quelqu'un t'a fait quoi? Les enfants des gens vous ont fait quoi? Donc, tu crois que c'est toi seul qui dors dans le noir. Depuis que tu as la magie là. Oui, j'étais là, menteur, pauvre, j'étais là ce soir. Je suis même sorti par rapport à ça. Je suis sorti par rapport à ça. Je n'ai jamais été chez les ténébreux. Arrête ça, Bopio, merci, ils sont là. Arrête ça. Tu crois que si j'étais chez eux, si j'avais un jour fait leur team, moi, je ne connais même pas leur team. Je ne connais pas. En fait, quand il dit je ne connais pas, ce n'est pas que je ne suis pas au courant parce qu'on se connaît. Mais c'est pour dire que je ne connais pas l'intérieur. Je ne connais même pas comment ça se passe là-bas. Tu vois. Vous voyez qu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient ma tête, non? Et c'est les ennemis que j'ai portés quand je clashais. Quand je faisais les supporters, supporters. Jusqu'à aujourd'hui, ils peuvent payer les milliards pour avoir ma tête. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Beaucoup ne comprennent pas ça. Mais moi, j'ai compris que. Si un jour tu as eu à poser ta caméra pour supporter ma fouet compresseur, mieux tu restes électron libre comme moi là. Quand il dit électron libre, c'est que même les visites de courtoisie n'acceptent pas. C'est ta tête qu'on veut. Parce que moi, je sais que c'est ma tête qu'on veut. Quelqu'un vient en plein la fin dimanche menacer les gens de mystique alors qu'on ne parle même pas d'elle. On n'a même pas son temps. Qui lui demande même quoi? Le direct n'a même rien à y voir. Si quelqu'un devait même se plaindre, c'est les fans de Ducamère. C'est Ducamère. On a parlé de Ducamère ici, mes gens. En dehors de Ducamère, on a encore parlé de qui? On faisait les commentaires ici. Les gens me lavaient, même je supprimais. Tu atterris, tu menaces les gens.
Derrick, tu menaces les gens de mystique. Ça, c'est grave. Une fois, je me rappelle, vous avez fait une vidéo où c'était à minuit ou 2 heures. Pour dire que vous allez kill à Mafou. France Nebia. C'est vrai. T'épingles ton commentaire. C'est vrai. C'est tout, Abiba. Ce que tu dis, c'est vrai. Ils ne vont jamais me pardonner. Parce que moi, je voulais la paix avec tout le monde. C'est-à-dire, quand je fais mes japas, je suis équivalent. Mais j'ai compris que c'est ma tête. Ils veulent ma tête. Jusqu'à venir un dimanche me menacer mystiquement. Parce que j'ai osé demander pardon. C'est qui écrit dans la Bible. J'ai osé demander pardon. Quelqu'un avec une bonne foi. J'ai fait quoi, pourquoi? Pour qu'une ténébrita vienne dire qu'elle va nuire les gens mystiquement. Ils vont se verser. Exactement, c'est Dieu qui bénit. Amand Mande, ce n'est pas moi qui a parlé des mystiques. Hein. C'est ta générale. C'est ta générale Lolomania qui est venu menacer les gens des mystiques. Coucou ma mamou perfecte, Yebga. C'est ta générale Lolomania qui atterrit ici que oh, si on parle de sa star, elle va fermer la bouche des gens mystiquement. Alors qu'on ne parlait même pas de ta star, Amand Mande. On ne parlait pas d'elle. La TKC, c'est les Lolomania et les abeilles étaient en train de me laver ici, là. Je supprimais même d'autres. Elle atterrit, elle menace les gens de mystique. On n'était même pas sur son sujet. On ne faisait même pas allusion à votre team. Elle atterrit, elle menace les gens de mystique. Pourquoi c'est aujourd'hui que le mystique sort? De quoi avez-vous peur? Vous allez me dire de quoi vous avez peur? J'ai demandé, c'est un simple pardon que j'ai demandé, non. Pourquoi vous avez si peur au point de menacer les gens mystiquement? Tu as qu'un mystique qu'on n'a pas encore fait. C'est Dieu la puissance. Tu as compris? C'est Dieu la puissance. Sinon, si ton mystique était trop bien, pourquoi tu ne l'as pas fait évoluer? Pourquoi tu n'as pas donné l'argent, assez d'argent? Je ne veux pas les gens qui vont parler du passé ici. Je n'ai pas besoin de ça. J'avais le direct hier pour parler du passé. Aujourd'hui, on ne parle pas de ça. Ok, I am going to work. Dieu est avec toi. Amen, maman. Mais sérieux. On est ici, là. J'ai dit que chacun donne son avis par rapport au pardon. Tu viens, tu parles des choses bizarres. Tu crois que tu peux menacer qui? Tu crois que sur combien d'abonnés, là? Tu peux faire quoi? À qui? Il y a les gens qui te dépassent. C'est pas parce que les gens ne parlent pas. Il y a les gens qui te dépassent. Même ma Choco Zouti, tu ne peux pas la combattre dans tes mystiques. Tu n'es pas né. Tu n'es pas né, Général Lolomania. J'ai dit que France n'est bien.
Tu n'es pas née. Je suis aimée par beaucoup de mamans. Que depuis hier, je ne dors pas. Il m'appelle et dit que bravo ma fille. On te retrouve. Toi, grain de riz. Tu viens parler. Tu es où now? Tu dépasses les prières qu'on adresse envers moi. Tu n'es pas née. Si tu étais née, c'est que tu donnes assez de... C'est que avec ton pouvoir là, tu as rendu riche des gens. Mais s'il faut voir toi-même, tu as faim comme moi là. Tu as faim comme moi là. Mais c'est toi qui viens menacer les gens. Ouais, général Olomania. Ce n'est pas le direct de ta patronne. Et on ne va pas te donner... On ne va pas te donner le, tout, le goût ici de parler de ta patronne. Ce n'est pas son direct. Donc, va te chercher ailleurs. Va chercher les gens que tu vas manger dans ton mystique ailleurs. Chez la lionne, il y a la paix, il y a l'amour. Maintenant, si quelqu'un me clash, qui s'attend au retour et ne répond pas quand vous allez vouloir, parce qu'elle ne vous a pas prononcé. J'ai parlé mes choses ici à deux teams. Je ne vous ai pas prononcé. L'agitation que vous êtes sur moi là, c'est Dieu qui connaît. C'est Dieu qui connaît. Maman, dans mes tas, tu parles de la paix, les gens veulent mourir. De l'amour, les gens veulent mourir. De la guerre, ils sont contents. Ils sont contents. Ouais, vous avez la magie. Au lieu de rendre riches les gens, vous êtes seulement sur Facebook en train de travailler, de mystifier sur les gens. Depuis que vous faites ça, ça a donné quoi? Bonsoir Laure. Depuis que vous parlez mal des gens, Among Mandé, vous les Lolomania, s'il vous plaît, dégagez de mon live. Je n'ai pas parlé de vous. Circulez. Si j'ai à vous dire, je vais allumer ma caméra et vous dire. Ne venez pas pleurnicher ici, là. Je ne vous ai pas prononcé. Allez pleurer ailleurs. Moi, je ne suis pas dans ça. Pourquoi vous voulez me faire entrer dans les histoires? Vous n'avez pas les directs. Allez partager les directs de vos patrons. Collez-moi la paix. J'ai parlé de vous. Jusqu'à l'autre vient dire que wow, je vais fermer les bouches. Oh, fermer les bouches peut m'étonner. Une fois, cette femme a fait un direct sur ma faute dans le noir. Ils étaient en train de dire comment on va l'attacher. Depuis que vous l'attachez là, elle est tout normal ou non. Hmm? Peut-être vous l'avez attaché pour que je quitte derrière elle. Mais c'est fini. Allez renouveler. Allez renouveler, c'est fini. Si c'est le mystique là que tu as utilisé, va encore renouveler. Parce que c'est fini. Il faut renouveler. Ou c'est ma chocose qui te bloque. Va encore renouveler. Général Olomania, va encore renouveler ton mystique. Parce que je ne sais pas qui t'a appelé ici là. Tu as dit bonjour, personne ne t'a offensé. Tu commences à menacer les gens mystiquement. Vous croyez que vous faites ça plus que qui? Moi, je n'ai pas peur de ça. Hein? Non, tu peux aller te faire voir ailleurs. Parce que quand tu es l'enfant de Dieu, tu n'as pas peur des histoires. Et je vous dis quelque chose, mes gens. C'est pourquoi je vous parle du pardon ce dimanche. Quand tu demandes pardon, si on te fait quelque chose,
Va. La première des choses qu'on te demande de faire, la première des choses qu'on te demande de faire quand on te lance quelque chose, on te demande de te confesser. On te demande de te confesser. Quand tu te confesses, on te dit que bon, tu peux aller te soigner. On te donne ton remède, tu peux te soigner. Si tu te confesses que tu as fait du mal à quelqu'un, you go siam, tu ne vas jamais guérir. Tu ne vas jamais guérir. Quelqu'un vient en plein dimanche nous menacer, maman. Oh, pata. Hey, Dieu va tous vous dévoiler. Tous. Tous. Lovely Kim, même Flo a peur de toi. Ça fait quoi? Est-ce que c'est toi, Flo? Il faut la laisser. Tu penses pour elle. Va penser pour ta patronne. Allez, allez. Va penser pour ta patronne avant de penser pour Flo, pour Mafo. Il faut laisser les fans de Mafo. Il faut laisser ses abeilles penser pour elle. Si m'insulte et digère, quand on demande pardon, on n'oblige pas les gens à accepter. Tu demandes pardon, tu restes dans ton coin. Demander pardon ne veut pas dire que tu entres dans une team, non. Tu restes dans ton coin. Si t'insultes, tu regardes, tu digères. Parce que c'est toi, tu as dit que oui, tu as tort. La manipulation que vous venez avec là, je ne vous gère pas. Je suis assez mature pour connaître ce que je fais. Je ne fais pas les simagris devant les hommes. Je fais mes choses pour plaire à Dieu. Le jour où vous allez retenir ça, vous allez me comprendre. Tant que vous ne retenez pas ça, vous n'allez pas me comprendre. Que je ne fais rien pour plaire aux êtres humains. L'être humain va te dire, ouh, regarde ton charisme. Le charisme de ça. Voilà Bobli qui est mort. Le charisme est où? Bob Lee est décédé, le charisme est parti où? C'est sa famille qui pleure. C'est sa génération qui l'a maudite avant de partir. Toi, général Lolomania, toi, tu maudis toute ta génération à cause de Facebook. Celui qui parle, tu fermes sa bouche. Tu as fermé la bouche de qui? On lave ta patronne tous les jours. Sans cesse. Tu as fermé la bouche de qui on a vu. Commence par fermer leur bouche. Tu viens me menacer. Parce que c'est moi que tu menaces. Ngo, tu vas fermer ma bouche mystiquement. Tu me menaces. Donc le pardon seulement te fait, tu me menaces mystiquement. Jackie, je t'ai dit que tu ne commentes plus mal. Sérieux. Tu n'as pas peur de Dieu. Un dimanche comme ça. Général Lolomania. Tu viens en plein live. Voilà ma chocozout. Je vais poster ça après le live. Tu viens en plein live menacer les gens de mystique. Tu es dans la prison. Quelle prison? Dis-toi. Si j'étais dans la prison, c'est que je n'ose pas demander pardon à qui que ce soit. Vous connaissez ce qu'on appelle la prison. Moi, je vous ai dit que je suis libre. C'est pour ça que je suis libre de mes actes. Quand je faute, je sais qu'elle est fautée. Je demande pardon. Quand elle ne faute pas, je sais qu'elle n'est pas fautée. Je continue ma route. Donc, général Lolomania,
Une fois, je vous avais trouvé dans le lac. Oh, on va finir avec Fleur de Lys. Oh, à l'époque, jusqu'au aujourd'hui, elle est Numba Uno. Vous êtes toujours là, dans les Sousongo. Sousongo, en train de toujours de manigancer les faux trucs. Pitiation Forona. Le problème est que tu vas tout porter les péchés de la lumière en faisant quoi? En venant menacer les gens. Vous avez vu que quelqu'un menacer quelqu'un ici là. C'est elle qui est venue. C'est elle qui est venue menacer les gens ici. Vous avez vu quelqu'un menacer quelqu'un ici. Et ça, on a dit que je comprends maintenant que la situation la plaisait à Dikamé. La façon qu'il a mal là me dépasse. Mais oui, non, vous-même, vous ne le connaissez pas. Il a bien mal. Je dis que je comprends que cette team est foncièrement méchant. Dieu vous voit. Ma France, tu vas découvrir beaucoup de choses dans Facebook. Aka Général Lomania, c'est quelqu'un là-bas. FP nul à chier. Ah ben oui. Jackie Chen, est-ce que vous m'insultez même encore? Le temps qu'on m'insultait, le temps que la TKC des abeilles m'insultait est passé. Il m'insulte. Maman, laisse tomber. Tu vas toujours combattre pour Flo. La question là, c'est pour faire quoi? C'est terrible. Hein? Parlez-moi du pardon. Est-ce que le pardon est bien? Voilà, c'était le sujet du dimanche. Avant que Général Lolomania n'atterrisse pour menacer les gens. Je n'insulte plus pour qui que ce soit. Donc, commencez déjà à vous désabonner. Mais si j'ai quelque chose à dire, je vais dire, je saurai comment dire selon l'attaque de la personne. Quelqu'un ne m'attaque pas, il ne répond pas. Et même les paraboles, là, je ne suis plus dedans. Il ne répond pas. Général Lomania, ta puissance là va te faire de l'argent avec. Travaille sur les gens pour qu'ils envoient qui t'envoient les étoiles pour que tu aies les abonnés. Toi, tu fais les lives, tu as 10 personnes tous les jours. C'est toi qui viens menacer les gens. Christian dit que reconnaître ses erreurs, c'est bien sympa en avant. Exactement, et ça nuit à certaines personnes. La lion Flo est très maternelle. Tu as bien fait. Tu as fait en public. Si tu peux, va inbox avec elle ou envoie quelqu'un vers elle. Ma façon de voir. Parce que tu vas porter les péchés et. Oh! Donc, quand elle demande pardon à ma fouille, ma pépé, ça veut dire qu'elle veut porter leur péché. Hey, Facebook. Oh. Et vous avez dit que mon pardon, si. Les ténébrites avant me tuer. Elle serait toujours vivante. Elle est toujours vive. Ténébrita ténébrose. J'aime souvent voir quand tu filmes ton. Quand tu filmes ton chien là, ton chien qui a les yeux gris là, tu dis que Ténébrita. Voici Ténébrita avec ses yeux qui brillent. J'aime souvent voir quand il parle de ces choses-là. Il dit que voici Ténébrita avec ses yeux qui brillent. Ses yeux font moum moum. Il dit que le gars, sinon, c'est la magie. Moi, je n'ai jamais vu où. Demander pardon, faire.
Fais en sorte qu'on t'insulte. J'apprends ça maintenant des ténébreux. Moi, je suis électron libre, je suis la lionne. Mais quand on pose un acte de ténébreux, je dis que vous êtes ténébreux. On ne menace pas les gens comme ça. Ça, c'est les menaces des ténébreux. Les gens qui sont dans la lumière ne menacent pas les gens comme ça. La lumière n'est pas une team. La lumière, c'est quand tu fais du bien. Ce n'est pas une team. Quand tu viens parler des ténébreux, là, ténébreux, t'as tes saluts depuis son Canada. Waris, pardon, je finis par pardon. Quand je pense à ton ténébreux talent, c'est la magie. Ses yeux brillent. Ses yeux brillent souvent comme si. Comme s'il a bu. Comme s'il est sous. Ouais. Hey. Oh, vous voyez que ténébrita. Elle te menace que tu es d'abord la fille de Lolo. Tu t'es embrouillée avec tes parents et allée par accident chez le voisin. Le voisin là, est-ce qu'on peut vouloir... Est-ce qu'on peut vouloir confisquer l'enfant de quelqu'un? Les 9 mois de ma faute. Moi, quand vous commentez comme s'ils vont me tuer, pardon, laissez-moi. Ils vont me finir. Ils vont finir avec moi, plus précisément, du Cameroun en premier. Ils vont finir avec moi. Ils vont en finir avec moi. Voilà. Quand vous dites que je suis les 9 mois de ma foule là, vous allez, je dis qu'ils vont, ils vont en finir. Ils vont une fois me boler. Coucou, as-tu bienvenue, installe-toi. Mais ne crie pas trop sur moi. Hey, maman, vous dites que quoi? Ils vont me tuer, pardon, avec, ne me jetez plus à la verdict populaire. Si vous avez encore pitié de moi, si vous m'aimez, pardon. Quand vous parlez comme ça, hey! Ils vont me tuer. Hey! Vous voulez quoi? Maman, ah, voilà l'autre, bienvenue l'enfant prodige. Ils vont me tuer. Ils vont me tuer. Ils vont me tuer. Ils vont me finir. Je vous jure. Et depuis qu'on fait les commentaires là, on les prononce pas, mais ils vont nous insulter. Regardez aussi avec les yeux. On tue nos commentaires, on n'insulte pas, mais ils vont m'insulter. Moi, Wanda. Ils vont m'insulter. On fait ça comment, mes gens? Il y a quelqu'un qui va entrer là. Ressors du direct et tu entres encore. Merci, ma lore, ma fond. Pardon, ne parlez pas fort. On va me finir. Ne parlez pas trop fort. C'est la magie. On va finir avec moi. Waris, Cash Money, bonjour. Bonjour, Léon, c'est comment? Ça va? J'y vais, ça va, laisse-moi. Non, en fait, ce que j'aimerais dire, c'est que, tu sais, sur la toile, déjà, il y a toujours des malentendus, en fait. Les gens ne se comprennent pas. C'est ça, mon c'est ça. Moi, d'abord, c'est ça qui te fait même rire, en fait. Ouais, je veux toujours le déclarer. Beaucoup le savent. Ceux qui sont là le savent toujours que je suis fan de Lolo. Et du coup, je ne peux pas être contre ton pardon. Si tu demandes pardon, c'est quelque chose de très important. On ne peut pas offrir le pardon à quelqu'un. Et encore, qui demande pardon,
Ouvre ses portes, en fait. Tu vois pourquoi on va tirer sur toi sur le fait que tu demandes pardon. Pour moi, ça me dérange pas. Exactement, moi, mais je ne comprends pas. Donc, bon, et moi, j'ai sincèrement, je sais que tu es sincère, mais ça dépend. Tu sais qu'ils vont, n'importe qui, on va dire, on va tous se dire, mais dans le fond, tu ne dois pas aussi empêcher les gens de décrypter tes lives et donner aussi leurs pensées concernant Je cela. ne refuse pas, là, je ne refuse pas. Parce que les gens vont donner leur avis, n'importe qui va donner son avis. D'autres vont même aller au-delà de ce que tu pensais, mais tout ce qu'il peut te dire, Mais Cash Money, ce que je condamne, c'est que il y a certains de tes confrères, les lolomaniaques, depuis avant-hier, parce qu'il faut dire, avant-hier, j'ai dit qu'on laisse le mari de Tata Lolo et de ma pépé tranquille. J'ai commencé à voir comment certains lolomaniaques ont commencé à m'insulter. J'ai dit, mais tiens, attends, qu'est-ce qui se passe là? d'aller observer. Hier encore, je demande pardon, ils ont passé la nuit à m'engueuler. J'ai quel problème? Je ne les ai même pas prononcés. Et tout à l'heure, Général Lolomania vient menacer les gens qu'elle va boucher la bouche des gens Non. avec le mystique. Non, écoute, Général Lomagna, nous connaissons tous sa façon de fonctionner. Dans le fond, elle n'est pas mauvaise, tu vois. Bon, je sais pas que je pense au parti au fait. Non, C'est pas mais ne parce dis qu'elle pas est. qu'elle n'est pas Dis-moi. mauvaise. Parce que Attends, Dieu j'attends. sait pourquoi quelqu'un se lève le matin et il demande pardon. Parce que tu peux voir que on peut rester en désaccord, je peux rester en désaccord avec les gens, alors qu'il y a des gens comme ça derrière qui me cherchent des problèmes. Moi, je ne comprends pas pourquoi il est venu menacer les gens. Non, là, je te comprends la vie. Moi, je te dis, je te comprends parfaitement. Ce que je me dis, c'est parce que nous connaissons tous le fonctionnement des faux profils sur la toile, en fait. Moi, généralement, peut-être, je ne peux pas dire que ce faux profil en tant que dépassé, si il veut me montrer, il n'aurait pas peur de le faire. Mais ce que j'aimerais placer, c'est que si demander pardon, c'est offenser les gens. Moi, je ne vois pas où le rapport, il n'y a pas de rapport. Si tu demandes pardon, Comprends pas. je te demande pardon aux deux personnes que tu as offensées. Pardon que tu avais fait. Pareil que tu avais fait à la reine Mabiot, pareil que tu avais fait à Exactement. Lolo, tu as fait pareil. Moi, c'est ma façon de voir les choses. Je ne supporte pas les gens dans l'anarchie, en fait. Tu as demandé pardon, tu as demandé le pardon aussi en face. C'est quelque chose. Mais si ton pardon, ce n'est pas pour taquiner les autres. Moi, je suis d'accord tranquillement avec toi, oui. Si ton pardon est sincèrement pour ces deux filles, Pamela, donc ça va, il n'y a pas de quoi débattre et puis tirer sur toi, non? C'est normal que tu penses, que si tu veux me revenir, tu peux toujours revenir, c'est ton choix. C'est ton choix de revenir ou pas. Donc, moi, je vois pourquoi il y aurait des malentendus concernant cela. Donc, moi, au fait, je suis là pour ton papou. Je suis là pour ton papou, en fait. Je suis là pour ton papou. Tu sais. Mon papou n'aime pas, tu sais Non. qu'il n'aime pas quand il parle de Flore de Lis et Non, Maman non. Pépé. Là-bas, c'est notre Donc travail. C'est notre il travail. va bien m'insulter ces Non. jours-ci. Non, tant que les trois femmes existent, on va toujours parler d'elles. Le Exactement. Fioro existe, tant que Lolo existe, tant que Compulsion existe, on va toujours parler d'elle, C'est négativement ou tout. positivement, mais La c'est des personne filles-là. qui veut entrer là, s'il te plaît, sors du direct, tu rentres encore parce que je prends l'appel, ça renvoie. Donc Non, mais sors, tu reviens encore. rien ne dit, je ne peux pas te mentir du caresse que quelqu'un, il aime taquiner, mais il n'est pas mauvais dans le fond, je t'assure. Non, il est mauvais. Il est Non, mauvais. Comment tu peux non, souhaiter la mort à l'enfant de quelqu'un? non. Comment tu dis ça, Cash Money? Non, Tu attends, écoute-moi, la j'argumente. mort à l'enfant, un enfant de 2 ans ou c'est 3 ans? Oui, écoute, j'argumente la lionne, j'argumente, s'il te plaît. Tu sais que moi, je ne peux pas. Si, quand tu fais ce qui ne va pas, moi, je lui dis. Hein. Moi, je lui dis parfaitement. Tu vois, j'aimerais. Tu sais que moi, Cash Money, pour te dire vrai, s'il me clash, il clash même Nicole, ce n'est pas un problème. Il nous lave comme il veut, ce n'est pas un problème. Mais à chaque fois, quand il nous insulte et qu'il voit que non, on lui a dépassé ou un truc comme ça, il va porter nos enfants, il met devant. Oh, ta fille est enceinte. Oh, ta fille va mourir. Est-ce que c'est normal ça? Non, moi déjà, je peux pas dire que ça est normal, tu vois. Mais ce que j'aimerais dire concernant ton problème du Cameroun et toi, vous êtes des personnes réfléchies et des grandes personnes, en fait. Tu n'es plus une petite fille, lui, pareil. Peut-être lui, à la seule différence, c'est que c'est un homme, toi, tu es une femme. Lui, si c'est. Je pense pas que lui, du Cameroun ne fait pas l'acharnement, en fait. Lui ne fait pas Il l'acharnement. fait l'acharnement. Comment ça, tu... Donc, Nicolas fait quoi? Cash money. Cash money, tu sais combien, depuis combien de temps du camé est sur moi? Bon, tu sais, bon, je ne peux pas te mentir aussi. Je ne suis pas sur live tous les jours. En semaine, je travaille et puis je n'ai pas le temps de suivre les lives. Parfois, quand je rentre.
C'est le week-end comme ça que j'ai aussi le temps d'entrer dans les lives et puis intervenir pour faire passer le temps, en fait. C'est pas dire que je suis dans les lives tous les jours, tu vois. Moi, je suis le genre de Oui. personne, quand tu es ma personne, si tu commets une bêtise, peu importe l'amour que j'ai pour toi ou la considération que j'ai pour toi, je te dis la vérité. C'est ça qu'on dit l'amitié, et avancer. C'est clair. Tu vois un peu ça. Voilà. Donc, c'est un peu pareil pour du Cameroun. La fois dernière, quand il parlait un peu de toi, j'ai dit non, c'est ici, là, c'est pas le débat de la Lyon. Mais si elle veut qu'on débatte, on va débattre. Et toi, tu as dit, non, on a débattu. Et tu vois là où ça arrive. Mais moi, ce n'était pas mon souhait. Mon souhait, c'est que à chaque fois quand vous vous embrouillez, vous trouvez une solution à vous calmer. C'est très important. Parce que c'est quelqu'un avec qui tu as collaboré, tu as fait beaucoup de choses. Tu es passé par là. Donc, moi, je ne vois pas où le rapport d'avoir les... C'est vrai que tu vas le reprocher de citer l'enfant de l'école. Ce qui n'est pas d'arriver. Moi-même, particulièrement, je peux condamner cela. Mais ce que j'aimerais te dire simplement, c'est qu'il est aussi impulsif. C'est un homme impulsif. Mais dans son impulsivité, il fait sauter des bonnes fois parfois. Il n'est pas que des mauvais, autant pour moi. Il est mauvais, dis donc. Il est mauvais. Il est très mauvais, même. Parce que il y a tout pour insulter. Il peut bien insulter Nicole. Il y a tout pour insulter Nicole. Pourquoi insulter son enfant? C'est ce que je ne comprends pas. Et pourquoi moi-même, il y a tout pour m'insulter. Il peut me dire ta bouche. Il peut me dire tes yeux. Il peut me dire n'importe quoi. Mais pourquoi s'attaquer toujours aux enfants? C'est ce que je ne comprends pas. C'est un gars qu'on doit taper. Je suis désolée, on doit taper du camé quelque part. Non, pas du tout. Bon, il est un Mais peu oui, on impulsif. doit le Non, taper. non, non, Quel que non, ça soit, il souhaite la mort à un enfant de 3 ans. non. La Lyon, là-bas, c'est notre débat. Ça, c'est un débat que tu vas plutôt dénoncer. C'est pas dans le live que tu vas faire ton ras-le-bol que tu vas encore Bon, dire. c'est vrai Donc, en tu même vas pas. temps. Non, là, si tu veux débattre de cela, tu vas faire un live uniquement pour ça. C'est cela, ça, c'était pour faire ton coup de gueule en passant. Je ne pense pas que tu vas encore inclure ça. J'aimerais que tu fasses un live si tu veux demander ton. Tu vas dénoncer, tu dénonces ça. C'est important. C'est sensibiliser tous ceux qui peuvent faire ça et après, qui ne le font pas. Moi, je préfère que tu fasses ça comme ça. Mais si, c'est pas. Tu peux te dire réellement. C'est quelqu'un que j'écoute quand. Toi, je t'écoute. Hein. Je t'écoute vraiment. Parfait pour lui. Vous n'avez pas la haine dans ce que vous faites. Tu sais, dans la colère, dans Non, du l'impulsivité. camé à la haine, il est très jaloux. Quand tu es jaloux, tu peux tout faire, hein. Non, je ne peux pas Tu peux même qu'il t'interdire. a. Parce que pour lui, c'est assez haut niveau, hein. Je peux pas t'interdire de penser à ça. Je ne peux pas t'interdire. C'est ton libre choix. C'est ta décision. Bon, c'est ton choix à toi. Mais pour moi, Et je surtout, préfère que comment je ne l'appel. comprends pas pourquoi, quand on parle de ma foi en bien, il veut tout finir avec la personne. Pourtant, il dit qu'il aime bien Flore. Moi, je pense que c'est de l'hypocrisie. C'est le genre de personne qui ne tue pas au deuil. Bon, c'est ça. Bon, il peut pas. Je sais pas ça, c'est ta pensée à Oui, toi. Je peux pas dire autre. moi je pense que c'est ce genre de personne. Il fait genre, il dit que je t'aime, mais quand il voit là où on peut te tuer, il part là-bas. Il dit qu'il ne me déteste pas. Plusieurs fois, il organise mon lynchage. On me lynche, on me lynche. Et puis il est content, il met les lunettes, il montre ses dents. Quelqu'un dit qu'il n'a pas souhaité la mort à cet enfant. Ce n'est pas vrai. Vous êtes témoin ici que. Il a souhaité la mort à la fille de Nicole. C'est vrai qu'il ne m'entend pas avec Nicole, mais vous êtes témoin. C'est quand il a souhaité la mort à la fille de Nicole que je suis sortie de son âge. J'ai même fait un message, il a dit que non, c'est ta personne, ne parle pas de son enfant. Hein? Il a dit ne parle pas de son enfant. Parce que quand il a commencé à parler de l'enfant de Nicole, je me suis rappelé que quand il est à terre, il cherche toujours à parler de nos enfants. Foubo va supporter ta Lolo. Franchement, tu n'as rien à foutre ici. Vous allez toujours venir contredire ce qu'elle dit. Donc, mes amours, il a souhaité la mort à cet enfant. Et ce n'est pas bien. Il a dit qu'elle va mourir. Ou mes oreilles ont mal compris. Si je me trompe, vous me dites en commentaire. Il a dit qu'elle va mourir ou mes oreilles ont mal compris parce que dès qu'elle suivit mourir là, et suis moi sortie. Je ne sais pas. J'ai envoyé un message comme quoi c'est ta personne, ne t'en prends pas son enfant. Ou j'ai mal suivi, hein. Ça dépend. Je ne sais pas.
Ce n'est pas bien que les gens se clashent. Tu souhaites la mort des enfants des gens. Après, tu dis que les gens sont méchants. Même toutes les mamans là qui se sont clashées, tu n'as jamais entendu quelqu'un souhaiter la mort de l'enfant de quelqu'un. Jamais. Jamais. Anita, toi là, non. On va te bloquer là-bas demain. Répète exactement ce qu'il a dit. Je le dis pour ton image. Reste tranquille, tu aimes trop mon image. Vous aimez trop quand les gens clashent. Tu me parles de mon image aujourd'hui. Mon image que j'ai lavée hier, là. Tu n'as pas vu ça. Vous condamnez, vous voulez ma tête. Tu aimes trop mon image, Foubo. Si tu aimais mon image, je ne devrais pas voir des commentaires bizarres. La lionne, c'est donc ça ton problème. Tu m'étends. On ne n'achète pas tous les problèmes. Laisse Nicole. Non, je n'achète pas le problème de Nicole. Mais je dénonce que s'attaquer à un problème. Mais qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit qu'il peut clasher Nicole. Il y a beaucoup de gens qui peuvent clasher Nicole avec. Mais qui n'insultent pas les enfants. Ce que j'ai dit, c'est acheter le problème de quelqu'un. Je dénonce. C'est tout. Qui n'insulte pas l'enfant de quelqu'un. Il a commencé sur mon enfant. Vous avez ri. Le voilà qui a atterri sur l'enfant de Nicole. Vous êtes toujours en train de rire. Vous voulez qu'il arrive, il en arrive où? Au point de finir avec un enfant pour que vous compreniez que ce n'est pas bon. C'est sur moi qu'il a commencé. Il a commencé par insulter ma fille. Vous avez souri, envoyé les étoiles. Aujourd'hui, porte la fille. Ou il manque ce qu'il peut dire sur Nicole. Il y a plein de choses qu'il peut insulter Nicole avec. Pourquoi porter l'enfant de quelqu'un déposé sur Facebook? Je ne suis pas en train de parler du problème de Nicole. Ni de qui que ce soit. Moi, je parle des enfants. Je n'ai même pas dit que c'était l'enfant de tel. Mais je dénonce ça parce que toucher à un enfant, ce n'est pas bien. On passe dessus. On était en train de parler du pardon. Non, ma chose, je n'achète pas les problèmes, mais je dis que je rappelle ici qu'il a commencé par mon enfant. Et voilà ça qu'il est en train de finir sur l'enfant de quelqu'un d'autre. Demain, il va même, je sais pas, il va aller loin. C'est ça que je suis en train de rappeler, que c'est un truc qu'on doit le taper pour ça. Il doit arrêter d'insulter les enfants des gens. On doit te taper du camé pour ça. Dois être fessé pour ça à Paris. Je pense que je vais donner l'ordre pour ça. Tu dois te taper. Tu dois laisser les enfants des gens. Tu es bon à faire ça. On tape tes coups de pied là. Tu tombes. Oui. Mais je t'aime les problèmes. On doit taper tes coups de pied là. Tu laisses les enfants des gens tranquilles. Quelqu'un dit qu'il cherche la reconnaissance. La reconnaissance de quoi? Il a la dette envers lui. Il n'a pas mangé les étoiles sur moi. Oh, Makota, la reine Mafo de retour. Et ma tata, la chevalière, elle vous demande les excuses. Ça ne chauffe pas. Elle vous demande les excuses. Oh, ah. Et vous avez même toujours demandé les excuses. Vous qui n'acceptez pas. Ceux qui veulent aller me tuer, allez me tuer. Go, ils t'ont aussi insulté. Ça fait quoi? On demande seulement pardon à ceux qui t'ont insulté. Parfois, tu n'as pas tort, mais tu demandes pardon. La reine Mafo de retour, la chevalière
Pierre, ma tata là, je vous demande pardon. Oui, l'amour est bien. Même si vous n'acceptez pas, et vous êtes toujours demandé pardon, je vais encore demander, recommencer encore. Le pardon n'a jamais tué quelqu'un. C'est quoi avec vous? Coucou Edwige. Elle lui dit qu'elle est de retour. Je demande pardon. Que les tatous qui veulent mourir aillent mourir. C'est ma bouche qui demande pardon. C'est ma bouche, c'est mon charisme qui baisse. Ce n'est pas votre charisme. Vous pleurez à ma place. Panta. La reine m'a fout de retour. Ma chouchou, la reine m'a fout de retour. La reine m'a fout, tu la pardonnes. Tu la pardonnes. Chouette. Comme si tu l'aimes trop. Je la demande pardon. Ouah. Ce n'est pas votre bouche qui demande pardon, c'est la bouche de la lionne. C'est ma bouche qui demande pardon, c'est mon charisme qui baisse. Ce n'est pas votre charisme. Hop, on t'a. Bobli avait le charisme, non, mes gens. Bobli n'avait pas le charisme, mes gens. Bobli avait le charisme. Il est d'ailleurs seul dans sa maison. Bob Lee avait le charisme. Il est Dyson. Restez avec vos charismes. Moi, j'ai la crainte de Dieu. Des charismes, charisme. Vous croyez qu'avoir du charisme, c'est faire du mal aux gens? Avoir du charisme, c'est faire du mal aux gens? Avoir du charisme, ce n'est pas demander pardon aux gens. Vous êtes les nez avant la honte. Jusqu'à les gens s'agitent. La reine m'a fait de retour. À Tokin, c'est Sousso. Pardonnez-moi. Avec ma chevalière. Ma chevalière d'amour. Même si vous m'insultez, elle ne répond pas. Ouah. Ça ne chauffe pas. Et ne dis pas que vous venez sur ma page, non. Même à distance. Comme elle dit là, je ne demande pas pardon pour que quelqu'un vienne sur ma page. Elle demande pour me libérer. Parce que j'ai la crainte de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Ne demande pas pour le plaisir des hommes. La reine m'a fait de retour, tu es ma quota. Tu as toujours été ma quota. Même si elle dit quoi, pardonne-moi. Ouah. C'est quoi? Vous n'aimez pas l'amour? Vous n'aimez pas quand on parle d'amour, pourquoi? Vous êtes anti-amour? Moi, j'aime moi l'amour. J'aime être entouré des gens. J'aime bien. Quand j'allume ma caméra, comme si on parle, on est bien. Est-ce que j'ai demandé pardon, j'ai offensé quelqu''un? Est-ce qu'en demandant pardon, j'ai offensé quelqu'un, mes gens? J'ai insulté et clashé quelqu'un? Non. Je ne vois pas pourquoi mon pardon offense quelqu'un. Oh. Quand on demande pardon, ça ne veut pas dire que forcément les gens vont accepter. Non. Mais tu demandes pour toi, pour te libérer. C'est tout. Le pardon est bien, c'est ce que je vous enseigne ce dimanche, mes cœurs. Pardon is good. Le pardon est bien. Nombreux sont décédés par cause d'orgueil. Parce qu'ils n'ont pas pu demander pardon à leurs proches. Parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion de demander pardon aux gens. L'amour est venu. Pap, ils sont gros.
le moment de demander pardon, ils ont joué à l'orgueil. Le moment de demander pardon, ils étaient là que non, je garde mon charisme. Et dégage mon charisme, mon charisme, mon charisme. Tu gardes ton charisme et tu cumules tes péchés. Tu cumules ton karma. Ça, c'est dimanche. Disons-nous les vérités. Tu cumules tes péchés, tu cumules ton karma. Ça ne chauffe de rien. À quoi ça sert d'avoir le charisme et devant Dieu, tu es zéro macabo. Zéro macabo. Est-ce que dans le cercueil, il y a le charisme? Y a le charisme dedans. Quand vous voyez dans le cercueil, là, il y a le charisme. Il fait froid. Jean bavarde. Dans le cercueil, il fait froid. Balata. Balatostas. Hein?
Est-ce qu'il y a deux choses qui dépassent? Est-ce qu'il y a deux genres de charisme? Ton charisme, c'est la crainte de Dieu. C'est le pardon de ton prochain. Et c'est la paix envers toi-même. C'est ça ton charisme. Si on vous a dit qu'il y a deux genres de charisme, il n'y a pas. Le charisme, ce n'est pas que tu blesses les gens, tu ne demandes pas pardon. Quand tu blesses les gens, il faut savoir demander pardon. Si tu ne demandes pas pardon, c'est l'orgueil. L'orgueil tue. Tu n'es jamais abeille. Va parler à ton nom. Même si tu es abeille, ça fait quoi? Je t'ai parlé des teams ici, là. L'orgueil tue. L'orgueil a toujours tué. Le pardon n'a jamais tué quelqu'un. L'amour de son prochain n'a jamais tué quelqu'un. Au contraire, ça a béni, ça a soulevé. Dès le temps, ce dimanche, on va prêcher. Donnez les conseils en commentaire. Notre blog, non? On a dit que là, on parle de tout, mais il parle. Dites-moi si le pardon a déjà tué. Mais moi, je sais que l'orgueil a tué. Exemple, Bob Lee. Montre-moi où le pardon a tué quelqu'un. Montrez-moi. Montrez-moi où le pardon a déjà tué quelqu'un. Mes chers frères et sœurs, n'ayez pas peur si vous offensez vos maris, si vous offensez vos frères, si vous offensez vos prochains, n'ayez pas peur de vous rapprocher d'eux et de leur demander pardon. Même s'ils n'acceptent pas, si Dieu voit que ton cœur est propre. Si Dieu voit que ton cœur est propre, tu auras le pardon de Dieu. Maintenant, pour les hommes, ils vont gérer entre eux. Mais devant Dieu, ton cœur est pur. Oui, je vois les faux profils Lolomania là qui viennent déjà dire que laisse ma fouille, maman Pépé. J'ai parlé. Oh, je suis en train de parler du pardon. Tu viens ici là. Tu laisses ta star. Tu viens parler des stars des autres gens. Tu laisses ta star, tu parles des stars des autres gens. Votre manipulation, là, nous, on connaît déjà ça. Moi, je parle du pardon. Tu viens me parler de quoi, là. Je ne comprends même pas. Allez pleurer ailleurs. Vous venez sur ma page pleurer. C'est votre page. C'est votre page. Il y a la fille de Black Beauty qui a fait le direct sur moi. Black Beauty, j'ai dit que Félix Steve va supporter ta star. Colle-moi la paix. Black Beauty, tu as commencé ton blog sur moi en m'insultant. Tu vas finir ton blog sur moi en m'insultant. Je précise que le pardon que j'ai demandé dans votre camp, tu n'étais pas parmi. Donc ne t'agite pas trop sur mon nom. Tu n'étais pas parmi. Donc tu me colles la paix, d'accord?
Pas t'agiter ailleurs. Vous faites votre bloc. Pour que vous ayez la visibilité, il faut seulement un seul nom. Mouf, laisse ça, Félix, je te connais. Pas t'agiter ailleurs. Black Beauty a commencé son bloc sur moi. Quand je défendais Mafo, elle a commencé sur moi. Elle va finir sur moi. Je vous ai dit qu'il y a les pages qu'elle. Ça ne vaut pas la peine qu'on les réponde. Parce que je vais rester leur pire cauchemar toute leur vie. Parce que je les ai théorisés. Donc pour celle-là, si elle parle mal de moi, laissez-la. Elle a commencé sur moi. C'est même Claude Akam m'avait même fait là un peu arrêter. C'est Claude Akam qui avait fait elle un peu arrêter. Steve Lambert, parce qu'il a demandé pardon, c'est pour ça qu'on s'acharne sur moi. Black Beauty a commencé son bloc sur la lionne. Elle va finir sur la lionne. Je n'ai même rien fait. Ont déjà commencé à être en transe. Oui, je parle de Black Bébé là. C'est Black Bébé, oh. C'est ta Black Bébé, ce n'est pas ma Black Bébé. Black Beauty, pardon qu'elle demande à qui que ce soit, ça ne te concerne en rien. Tu te seulement collé pour faire pour. Je ne sais pas trop. C'est Claude Akam qui m'a enlevé dans tes mains. Tu t'es engagé. Quand Claude Akam a affiché tes coordonnées, tu es quitté derrière moi. Tu as cru que c'est moi qui ai envoyé ça là-bas, oui, je ne sais pas trop. Depuis hier, ça agite sur moi. Depuis un temps, elle faisait les lives, elle n'avait pas les vues. Quand elle a mis la lionne, tout le monde est venu, est parti là-bas. Ne vous plaignez pas de ces directs et ne vous étonnez de rien. Vous attendez à quoi? Qu'elle vient me donner le chocolat. Attendez-vous à ce qu'elle me lave. Merci, chérie Steph. Attendez-vous à ce qu'elle me lave. Qu'elle a créé sa page. C'était avant un pasteur. C'était avant un pasteur. Elle est devenue japabieuse à cause de moi. Black Beauty est devenue japabieuse. Elle a créé sa page spécialement pour moi. Parce que elle a vu, j'étais une grande combattante chez les abeilles. Elle a créé une page spécialement pour moi, jusqu'aujourd'hui. Quand elle ne parle pas de la lionne, non, elle n'a pas les vues. Dès qu'elle branche la lionne, pas bah, les haineux partent là-bas. Ils commencent à m'insulter. Pourtant, je ne les ai pas prononcés, mes gens. Jusqu'aujourd'hui, je ne les ai pas insultés. Pourquoi me clasher? Mais je vais vous dire une chose. Quand j'en aurai marre, je vais répondre. Je vous mets en témoin, mes abonnés. Quand j'en aurai marre, quand je vais répondre, ne dites pas que c'est moi qui ai cherché. Ne dites pas que c'est moi qui ai cherché. Que c'est pas tout, n'est pas tout. Eh, ma chocose. Ouais, mon amour, chocose.
Tout son bloc, c'est moi. Elle est un peu comme chic et élégant. La différence, c'est que chic et élégant est dans la lumière. Mais elle fait sa lumière pour faire son commerce. Pourquoi quand ma fois avait dit de demander pour te prendre les gilets, tu ne l'as pas fait en ce moment. Pourtant, Georgette, occupe-toi des lolomania. Tu n'es pas abeille, tu n'es pas TKC, tu n'as pas à me poser les questions. Je n'ai pas appelé les lolomania dans mon direct. Va t'occuper de ta team. Tu n'as pas de questions à me poser. C'est les abeilles et la TKC qui ont les questions à me poser. Toi, tu t'occupes de ta team. D'accord. Ne venez pas vous mélanger. Dieu témoin, je connais déjà là. Dieu vous connaît déjà. Va t'occuper de ta team. Je ne vous ai pas appelé, en fait. Je connais, non? Je connais, c'est une lolomania. Va t'occuper de ta team. J'ai prononcé deux teams, pas trois. Tu viens poser les questions. Ce sont eux qui t'ont demandé de poser cette question. Laisse-les, ils viennent. Eux et moi, on est en train de bagarrer en commentaire. Vous n'avez, je ne vous ai pas appelé. Occupez-vous de vos paires de fesses. D'accord? On peut entrer dans les problèmes des gens jusqu'à les menacer mystiquement comme ça. Mais Jean, vous êtes témoin, j'ai fait la part des choses sur Facebook. Moi, j'ai moi parlé. Est-ce que j'ai prononcé leur nom? Je n'ai pas moi clashé quelqu'un chez eux. Mais ils sont en train de m'insulter copieusement. Ils sont en train de remuer la plaie. Ils sont en train de vouloir faire en sorte qu'on me déteste pour rien. Je n'ai pas moi clashé quelqu'un. Demandé les excuses sur moi qui étais sur ça. Je n'ai pas clashé quelqu'un. Ils sont en train de m'insulter. Georgette, va t'occuper de ta patronne, s'il te plaît. Si tu n'as pas ton avis à donner par rapport au pardon, tu me colles la paix. Si tu as quelque chose à dire, pardon, par rapport au pardon, si le pardon est bien, tu dis. Si c'est pas bien, tu dis. Je ne parle pas de mon pardon, le pardon en général. Tu n'as rien à faire, tu m'arrêtes la manipulation. Parce qu'on vous connaît. On vous connaît. On est avec la manipulation dans Facebook. Ngo, pourquoi quand Flore Delis t'a appelé, c'est elle qui t'a demandé de me poser? Ou bien c'est les abeilles ou la TKC qui t'ont envoyé pour. Va poser les questions à tes lolomania. Jackie, chat comme ta patronne. Allez. Vous plaignez, je ne sais pas pourquoi vous venez vous masturber dans mon direct. Allez regarder, allez partager les lives de vos patrons. Je ne vous ai pas appelé dans mon live. Vous agitez pourquoi? Je suis en train de parler avec deux teams. Ça ne vous concerne en rien. Collez-moi la paix. Ou alors, si vous voulez donner votre avis par rapport au pardon, donnez. Mais le problème que j'ai parlé, ça ne vous regarde en rien. Je vais vous bloquer très prochainement. Et ça nous dit que je croyais qu'Alain Sifflon ne devait plus être en vie. J'ai dit que, maman, j'étais là le soir où ils ont souhaité la mort à ma fou. Le jour-là, je n'ai pas dormi. À 6 h, j'étais debout pour les mettre ou pas. Est-ce qu'ils m'ignorent? Ce n'est pas pour rien qu'ils me menacent mystiquement. Seulement, j'ai dit que je ne suis plus dans les trucs de la guerre des teams, là. Je ne suis plus dans le. Ah, laisse ça, dis donc, reste tranquille. Reste tranquille. Tu parles à qui? Je te connais, Georgette. Pardon, laissez Ducamer. Vous qui parlez de Ducamer là, l'homme m'a foi raison. Il va vous bloquer. Ça vous regarde.
ça vous regarde. Il va vous bloquer sur sa page. Moi, il n'en ai rien à foutre. Il me bloque, il me débloque, il me bloque, il me débloque. Vous, les faux profils, là, quand vous parlez, là, faites attention, il va vous bloquer. Je vous préviens déjà. Et je vous dis que si vous ne voulez pas entendre comment il parle de moi, ne partez pas là-bas. Parce que lui, il n'aime pas là, il n'aime pas quand je parle de ma foi. C'est depuis longtemps. Donc, commencez à prêter vos oreilles. Si vous ne voulez pas l'écouter, ne partez pas là-bas. Parce qu'il va bien m'insulter ces jours. Parce que la seule chose qui m'a interdit depuis qu'on s'est connus,